Votre petite excursion sur le pont était d'une redoutable imprudence. Oui, les courants à cet endroit du fleuve sont particulièrement forts et traîtres. Mais quel courant? Le fond de la barque a été volontairement défoncé. Au milieu du fleuve? Et comment? Avec une pioche. Louise! Louise! Ah, oh, le commissaire Ferrante, s'il vous plaît. Ma petite Louise, où es-tu? Je suis ici. Oh, Louise! Max! À vos souhaits. Ma chérie, oh! Mon pauvre trésor! Trouvez immédiatement le responsable de cet attentat. Je le tuerai de mes propres mains. Ne vous mettez pas dans ces états. Qui diable êtes-vous? Le professeur Gustave Boato. Le célèbre criminologiste? Oui. Montre-moi ta mine et je te dirai quel est ton crime. Scipion? Ah oui, le professeur Boato a créé la nouvelle méthode d'investigation scientifique qui a supplanté à tout jamais la méthode déductive anglaise. Sherlock Holmes est tombé dans les oubliettes. Cessez une fois pour toutes de citer le nom de cet imposteur devant moi. Assez divagué. Nous étions en train de discuter de l'accident. Ce n'était pas un accident. Une personne a délibérément défoncé le fond de la barque à coups de pioche. Excusez-moi, voici le docteur von Frisch, l'un de mes très vieux amis naturalistes renommés de l'université de Berlin, est aussi l'un des plus éminents experts du pot. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est exact. Oui. J'ai donc pris la liberté de le consulter à propos de cette affaire. Je vous en prie. Je crois savoir ce qui s'est passé. Le bateau a été pris d'assaut par un hippopotame. Un hippopotame? Absurde. Un jour, je naguais sur le fleuve Congo, en Afrique. Notre bateau fut heurté par toute une troupe d'hippopotames. Et je vous affirme que la similitude entre ces deux faits est frappante. Oh, il est fort probable que ces trois jeunes filles inexpérimentées aient confondu les coups de tête portés par les hippopotames avec le martèlement d'une pioche. Allons, voyons, nous ne sommes pas au Congo, nous sommes en Italie. Y a-t-il encore du thé? Si vous pouviez apporter du thé, mademoiselle. Bien que cette hypothèse me semble un peu hasardeuse, je vais donner des ordres pour qu'on interdise la pêche et la navigation sur le fleuve. C'est préférable. Vous voulez aussi une tasse de thé? Oui. Après. Professeur? Oui, que me voulez-vous, Scipion? J'ai trouvé des empreintes sur les berges du fleuve. Des empreintes d'hippopotame? Non.
C'est ce que je pensais. Non, elles doivent appartenir à un homme, mais elles étaient cependant particulièrement profondes. Ah. Oui, je vois. C'est très clair, je pense, que nous avons certainement affaire à un obèse. Oui, un homme très gros. Et par conséquent, très lourd. Oui, c'est exactement mon avis aussi. Il est impossible qu'il s'agisse d'un hippopotame, puisque ces bêtes ne vivent que sous des climats tropicaux. Bien pensé, très bien pensé, mon garçon. Mais pendant que vous vous amusiez à patauger dans la boue, j'ai fait, moi, d'authentiques découvertes. Ah bon? Avez-vous remarqué la physionomie de ces jeunes filles? Oh oui, exceptionnel. Alors, dans ce cas, vous avez sans doute vu l'impureté abjecte des lèvres, la perversité du nez en lame de couteau de la plus grande, d'une certaine Thérèse. Ah oui, celle avec les gros... Non. Voulez-vous vous taire? Il serait temps que vous sachiez observer selon ma méthode. Puisqu'il nous est impossible d'identifier l'agresseur, commençons par identifier la victime. Si je vous suis bien, d'après vous, nous aurions affaire à un homme qui souhaitait se venger de l'une des trois filles, peut-être par amour. C'est indéniable, Scipion. Et que puis-je faire maintenant? Un peu de bon sens. Si votre histoire d'empreinte n'est pas une de vos fantaisies, non, puisque non. Il vous suffira de trouver un homme ventripotent. Entendu. J'y vais de ce pas. Et changer de chaussures. Bougez pas d'ici et attendez mon coup de sifflet. Vous êtes arrivé juste à temps. Avez-vous pensé au chronomètre? Oh oui, naturellement, le voilà. Vous êtes sûr qu'il marche? S'il marche, il est tout ce qu'il y a de plus neuf. Mademoiselle Carly, je suis vraiment ravi de vous voir. Oh oui, moi aussi. Ça ne peut être que lui. Les traces de votre agresseur. Regardez, il y a même sa victime nasale. Oh! On ne voit pas qu'il s'échappe. Oh, oui, là, il est là-bas. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Non, mais qu'est-ce que vous me voulez? Non, lâchez-moi! Non, vous êtes en état d'arrestation. Non, ne touchez pas. Professeur, mais que se passe-t-il donc? On regarde une affaire tout à fait banale. Je viens de faire arrêter un autre meurtrier. Oh, vraiment? Oui. Mais vous êtes un génie, professeur. Oui, je ne peux pas le nier. Lâchez-moi, enfin, qu'est-ce que je fais? Voyons, arrêtez! J'ai seulement une bière! Soyez tranquille, ce n'est rien. L'incident est clos, c'est fini. Le spectacle continue. Bonne soirée! Super! C'était mon cousin. Vous le connaissez? Je
suis innocent. Silence, monstre. Êtes-vous sûr que c'est lui l'agresseur? Mais vous l'avez vu vous-même, il a vidé toute la chope sans reprendre sa respiration. Ah. Oui, bien sûr, je l'ai vu, mais ce n'est pas un crime de boire une bière. Vous ne réalisez donc pas qu'il a retenu son souffle pendant 187 secondes? Enfin, c'est vous-même qui l'avez chronométré. Et maintenant, si vous vous souvenez bien, l'homme que nous cherchons a nagé sous l'eau, donc sans respirer, pendant plusieurs minutes. Oh, ça y est! Je vois où vous voulez en venir. Professeur, vous êtes un génie! Et je vais jeter en prison cet écœurant à main de graisse. Garde, exécution! Non, 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 non. Attendez une seconde, commissaire. Je souhaite avant démontrer sa culpabilité scientifique. Ah, excellente idée. Non, je ne veux pas. Vous n'avez rien à craindre, Pietraka. Ce n'est qu'une expérience pour voir si vous êtes réellement innocent. Innocent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai rien fait. D'après les mesures, la circonférence du crâne fait 528 millimètres. Millimètres, si on tient compte de son poids et de sa carrure, sa tête est trop petite, c'est un microcéphale. Respirez. Et son sens olfactif est très développé. C'est un flacon d'acide sulfurique. C'est ça que vous vouliez, professeur? Ne perdons pas de temps. Passons maintenant au protéorévélateur génétostatique anthropomorphique pentagruélique. Allez. Je préférais encore l'acide sulfurique. Vous devriez manger plus de fruits. Non, je vous en prie, donnez-moi une bière. Par pitié, une bière. Taisez-vous, monstre, et écoutez attentivement. Vous n'avez pas intérêt à commettre d'erreur. Je vous ordonne de désigner la bille rouge à mon assistant et je vous souhaite de la trouver. Parfait. C'est une question facile, Pietraka. Ayez confiance. Les expériences scientifiques, professeur Boato, sont célèbres. Elles servent à dissocier le vrai du faux. Un peu de courage, mon garçon, et vous retrouverez le chemin de la liberté. Ou celui de l'échafaud. Tenez, la voilà la rouge. Il a répondu correctement. Puis-je le laisser partir? Mais taisez-vous, sapristi! Veuillez la montrer avec plus de précision. C'est celle-là, vous ne voyez pas? Je veux que vous me désigniez avec plus de précision! Pardon, professeur. Mais je pense que parfois votre assistant est un vrai... Silence! Ach, nous deux, reprenons! Voulez-vous désigner cette bille? Et vous êtes aveugle! Tenez, la voilà, votre bille rouge! Ça chatouille! Ah, il a donné la réponse exacte! Cela veut sûrement dire qu'il est innocent! Oui, je suis. C'est tout le contraire, commissaire, tout le contraire! Il faut isoler ce monstre sans attendre! Veillez à ce que cet assassin aux tendances d'orang-outan indéniable moisisse derrière de solides barreaux pour le restant de ses jours. Julieta, ma canne, mon chapeau. Vous savez, votre gros orteil du garde pied droit. Je suis innocent. Oui, j'avais une bière. Votre gros orteil du pied droit, celui que vous bougez si bien, on dirait une pince. Hein, vous ne m'étonnez pas? Non, non, regardez. Excusez-moi, mais il y a encore un petit détail qui m'échappe. Pourquoi cet obèse n'est-il coupable? Je dois dire que, personnellement, peut-être par distraction, je ne sais pas, j'aurais sans doute choisi la même bille. Oui, mais voyez-vous, l'important, c'est que... Enfin, je ne crois pas que vous l'auriez agrippé avec votre gros orteil. Oh non, bien sûr que non. L'obèse, par contre, a déployé... une habileté digne d'un australopithèque, autrement dit dégénéré. Oh, j'ai compris.
C'est un nouvel homme de Néandertal. Et d'après votre enseignement de la physiognomonie, c'est une caractéristique commune à presque tous les criminels. Ah, ça rentre, Ferrante, et vous faites des progrès. Oui, mais pourquoi, diable cet homme aurait-il voulu noyer ces trois innocentes jeunes filles? Oh, mais c'est à vous de trouver cela. Vous ne voulez quand même pas que je fasse tout votre travail. Oui, en effet, professeur, vous avez tout à fait raison. Mais si j'étais à votre place, j'irais poser quelques questions à cette Thérèse Carly. Ah, maintenant que j'y pense, Thérèse a admis que cet homme obèse était fou amoureux d'elle. Vous voyez ce que je vous disais? J'en étais sûr. Cette automobile est absolument surprenante. Où l'avez-vous achetée? En réalité, je l'ai fabriquée moi-même. Oui, à l'aide de l'Encyclopédia Britannica. Excusez-moi, mais seriez-vous anglais? Yes. Non. Bon. Alors, nous retrouvons toujours demain pour explorer le pot. Nous pourrions commencer en amont de Turin. Merci de votre offre, mais il est inutile désormais que j'aille avec vous. L'agresseur vient d'être appréhendé. L'agresseur? Mais quel agresseur? Puisque je vous dis qu'il s'agit d'un hippopotame. Excusez-moi, êtes-vous déjà allé sous l'eau? Non, grand Dieu, non! J'ai doublé plusieurs fois le Cap Horn, mais grâce au ciel, je ne suis jamais passé par-dessus bord. Ah non, ce que je voulais savoir, c'est si vous aviez exploré les fonds sous-marins. Non, jamais, mais si ça vous intéresse, vous devriez aller voir le docteur Vernetti. Il a aménagé une sorte de musée. Il a une splendide collection de coquillages et de poissons tropicaux. Comment ça va sortir? Excusez-moi, jeune homme, je m'appelle Vernetti. Puis-je vous être utile? Enchanté. Moi, je me... C'est une belle collection. Oui. Je me demandais où vous vous étiez procuré tous ces... ces cimènes. C'est très simple. Hein? Je les ai ramassés. Sur la plage? Non, au fond de l'eau. Je trouve ça merveilleux. C'est difficile à croire. J'ai pêché celui-là dans la baie d'Anbelga. Ah. Oh. À 41 mètres de profondeur. Comment vous avez fait, avec une ligne ou... Non, c'est parce non, que 41 non. mètres... Avec ma main. Ah, mais, ah oui, j'aurais dû y songer, c'est vrai. Mais vous avez le physique pour ça, hein? Grand, fort, musclé, ça tombe sous le sens. Vous ne me croyez pas, hein? Eh bien, c'est-à-dire que 41 mètres au fond, sans... Oui, mais j'ai un secret. Fais-moi. Vous ramasser des coquillages? Venez. Ah! C'est un scaphandre français très moderne. Avec ceci, on peut séjourner sous l'eau pendant très longtemps et qui plus est, se mouvoir et c'est bon. Ah oui, et est-ce qu'on peut aussi manier des outils, par exemple? Tout à fait. Toutes sortes d'outils, même une pioche? Tout ce qu'on veut, oui, absolument. Oui, je vois, mais sans doute faut-il avoir, comme vous, des poumons exceptionnels pour contrôler sa respiration. Eh bien, je vais vous faire un aveu. J'ai souffert des poumons jadis. Je suis même resté très longtemps en convalescence au sanatorium d'Albenga. C'est ahurissant, c'est vraiment remarquable. Dites-moi, est-ce que vous savez combien de scaphandres semblables il y a ici à Turin? Il n'y en a que deux. Le comte Sarti a le deuxième. Sarti? Il s'est procuré il y a un mois. Oui, je vois. Je vous remercie pour tout. Bonne journée et soignez-vous. Oui, bien sûr, merci. Tout va bien? Oui, merci. Allô, opératrice, je souhaiterais avoir le compte Sarti. Vous devez me donner le numéro de l'abonné. Désolé, je ne le connais pas. C'est le 15, souvenez-vous-en pour la prochaine fois. Je vous remercie. Allô, j'aimerais parler au comte Sarti. Il n'est pas là, je suis le majordome. Ah oui, bien sûr, bonjour, mais quand puis-je le joindre? Je ne sais pas, il lui arrive de ne pas rentrer pendant plusieurs jours. Au revoir.
Savez-vous si Gina est rentrée? Je lui ai prêté mon automobile pour son examen de conduite. C'était peut-être elle. Oui, je... Elle aurait pu attendre pour me dire si elle avait réussi son examen. Encore une autre mystérieuse affaire. On a retrouvé le comte Sarti au fond du fleuve. On l'a lâchement assassiné. Quand je pense qu'il venait de s'acheter un scaphandre tout neuf. Mais comment le savez-vous? Je me suis renseigné. Vous avez pris des renseignements sur Sarti? Oui. Ne vous prêtez pas à ces divagations, écoutez-moi plutôt. Cette affaire est très simple. Sortons d'ici. Nous serons mieux ailleurs. Ne me dites pas que vous avez déjà tout compris. De toute évidence, ce meurtre est le travail de cette bouteille pleine de bière. Le comte l'a probablement surpris pendant qu'il sabotait l'embarcation des filles. Et il est parié sur le fait, l'obèse n'a rien trouvé de mieux que de tuer le comte afin de le réduire au silence. C'est effectivement ce qui a dû se passer. Cela me paraît tout à fait logique. Cet homme est pire que le diable. Commissaire. Pietracca a réussi à enlever les barreaux de sa cellule, il s'est échappé. Échappé? Qui était de garde? Je veux son nom. C'était Robert. Je lui arracherai le nez. Non, ce n'est pas le moment de perdre votre sang-froid. Vous devez retrouver ce gros plein de soupe avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Ah, que tous les hommes disponibles viennent avec moi. Cette obèse va regretter d'être venue au monde, je vous le garantis. Grâce à moi, aucun assassin n'a jamais échappé à la loi. Grâce à qui? À vous, professeur. Allons-y. Un instant. Tu es... Robert. Coucou. Ne me dénoncez pas, docteur, je vous en prie. J'ai une famille à nourrir. Allez, va. Il n'y a pas d'entrée dans ce musée. Encore. Hein? Où allez-vous? Je cherchais la clé qui sert à le remonter. Il paraît qu'on peut entendre la mer dans ces coquillages. Oui, bien sûr. Mais vous devez l'appliquer contre votre oreille, comme ça. Ah. Tenez, essayez si vous voulez. Oh, c'est incroyable. J'arrive à entendre les propos de deux personnes. Deux hommes qui discutent d'une fille en maillot de bain. Oh, vous devriez écouter. Allô, 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 quel temps fait-il? Vous avez du soleil? Oh, vous connaissez peut-être M. Caligaris et son épouse. Bonjour. Jusqu'à l'année dernière, avant qu'ils ne soient mariés. Mes hommages. Mademoiselle Louise était mon assistante. J'ai envie. Ravie de vous revoir, M. Aveta. Moi-même. Ma cousine, Thérèse, a demandé que je vous transmette ses amitiés. Eh bien, transmettez-lui les miennes en échange. Et dites-lui de venir me voir au bureau du professeur Boato. Mais est-ce qu'on ne se serait pas rencontrés auparavant? Désolée. Je vous prie. Excusez-nous, au revoir. Au revoir. Bonne journée. C'est une jeune femme que j'aime beaucoup. Ah. Ils viennent souvent me voir, elle et son mari. Ah. C'est un homme très brillant qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et je crois que mes recherches le passionnent. Excusez-moi, professeur. Vous avez sans doute appris la mort du comte Sarti. C'est abominable. Pensez-vous qu'il y ait maintenant à Turin quelqu'un d'autre que vous capable de marcher au fond de l'eau? À ma connaissance, non, plus personne. Mais dites-moi, jeune homme, pourquoi me posez-vous cette question? Oh, pour rien. Donc comme ça. Quand
danseuse est absolument divine. Personnellement, je trouve que vous exagérez. Elle a aussi quelques défauts. Des défauts? Mais quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, quelqu'un qui cherche autant à montrer ses jambes, il ne le fait que pour cacher sa voix. Oh! C'était magnifique, magnifique, sublime. Oh, dites-moi, Jeanne. Oui. Où est notre Gina? Je ne l'ai pas vue ce soir. Elle est allée voir Scipion, afin de s'excuser. Pour quelle raison m'avez-vous fait venir? Vous voulez aussi me poser plein de questions sur Pietraka? Ah non, 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 non. Je voulais vous parler. Où est Pietraka? Mademoiselle Carly, avez-vous vu Pietraka? Pietraka, d'abord, il le laisse échapper, et ensuite, ils viennent tous me voir. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il se cache et je m'en moque complètement. Non, à vrai dire, je voulais vous parler de ce qui s'est passé lorsque vous étiez sur le fleuve. Ah oui? Pourquoi ne parlerions-nous pas de ce qui peut se passer ici, maintenant? Oui, oui, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais je vais essayer de deviner. Vous savez... Oui, quoi? Vos cheveux sont superbes. Ah. On dirait de la soie. Ah oui? Ils sont d'une douceur. Ah oui, vous trouvez? Eh bien, pour être sincère, je suis allé chez mon coiffeur ce matin, juste avant de me trouver nez à nez avec votre cousine. Ah. Oh, vous avez entendu? Attendez quoi? Votre cœur? Oh. Où êtes-vous rencontrés? Oui, enfin, de chez Jules Vernetti, au beau milieu de son musée. Jules Vernetti? Vous le connaissez? Que trop bien! Il y a 20 ans de cela, il était fiancé à ma mère. Quand elle rompit ses fiançailles pour épouser mon père, Vernetti jura se venger. Et naturellement, cet homme me hait. Maintenant que je suis là, ma douce et chère Thérèse, vous n'avez plus de raison d'avoir peur. Je vous protégerai désormais. Scipion! Gina! Mais c'est une patiente que je soigne! Je n'arrive pas à le croire! Si, Gina, je te jure, elle est malade, une étrange maladie de la bouche! Oui, une maladie très, très bizarre! Gina! Ça t'apprendra! Ça va bien? Oui, très bien! Tant mieux! Oh. Bonjour, messieurs. Professeur Boato, je suis content de vous voir. Monsieur Von Frisch a trouvé cette boîte ce matin. Ah. J'étais parti, comme vous le savez, à la recherche des hippopotames, qui maintenant doivent infester toute la vallée. Quand j'ai aperçu cette boîte, elle reposait au fond du fleuve, éclairée par le soleil. Ah, elle est même blindée, oui. Nous avons essayé de l'ouvrir en la forçant, mais sans résultat. Oh, c'est peut-être une mine, ou un explosif tombé d'un bateau au moment d'un naufrage. Une bombe! Vite, une bombe à la brillant! Elle va exploser! Oh, Seigneur! On s'arrête! La bombe! Oh, mon Dieu! Scipion! Il y a une bombe! Oui! N'y touchez pas! Non! Oh! Calmez-vous, il s'y connaît! Oh! 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 Mon pied! Venez! Je le savais depuis le commencement! Il y a pas de danger! Sortez des abris, retournez tous à mon poste! Bravo, Scipion! Nous savons maintenant de échapper belle! Il s'agit d'un objet bien mystérieux. Un souci supplémentaire pour les forces de l'ordre. Cela vous ennuie si je le garde quelque temps? Oh, si ça vous amuse. Encore que j'ai peur que vous ne perdiez votre temps. Elle restera muette, car l'eau a certainement effacé toutes les empreintes digitales. Certainement. Est-ce que je peux vous interrompre? Oh. Bien sûr. Entrez, mademoiselle. Est-ce que je peux savoir ce qui vous amène? Commissaire, je suis venu vous donner d'autres détails à propos de l'attentat. Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour nous les donner? Ils n'avaient pas fait surface. Surface? Ils étaient dans l'eau? Oui, dans le fleuve tourmenté de mon subconscient. Ah,
Vous suivez une psychanalyse? Oui. Vous faites une analyse? Oui. Chez un disciple sans doute de ce docteur Freud de Vienne. Un charlatan qui prétend soigner les désordres mentaux en discutant pendant des heures avec ses patients. Qu'il fait en plus s'allonger sur un divan. C'est certainement très intéressant, mais je ne vois vraiment pas le rapport avec notre enquête. Puis-je vous raconter? En fait, je vous en prie. Assieds. J'aimerais ne pas être interrompue. Ce fut une expérience traumatisante. Voilà certainement la raison pour laquelle mon inconscient l'avait refoulée. Refoulée? Oubliée. Nous passions une journée sur la plage avec toute l'école. J'étais à l'intérieur d'une cabine en train de me changer. Lorsque soudain, j'entendis frapper à l'extérieur. Qui est là? Oh, vous êtes encore là. Après quoi, un monstre s'est engouffré à l'intérieur. Ses yeux brillaient de désir. Un rictus aigria arquait ses lèvres. Oui? Et alors, que s'est-il passé? J'ai crié comme une folle. Tout le monde est accouru. Un scandale. L'homme fut chassé. Vous avez entendu, Robert? Il fut chassé. Est-ce que vous savez qui était ce maniaque? Oui. Il m'enseignait l'allemand en classe. Le professeur von Frisch. Sapristi, c'était donc vous, la jeune fille? Ainsi vous l'admettez ouvertement. Von Frisch, vous feriez aussi bien d'avouer tout de suite. Après toutes ces années, vous vous êtes vengé de cette jeune fille en coulant sa barque. Je peux tout expliquer. Ça a été un affreux malentendu. J'avais ce jour-là un rendez-vous galant avec le professeur de gymnastique dans la cabine d'à côté. Dans ma hâte de la retrouver, j'ai confondu les cabines et effrayé ce pauvre enfant. C'est la vérité, je vous le jure. Excusez-moi, commissaire. Qu'est-ce que c'est? Ma demande de réengagement. Ah. Hors de ma vue. C'était plus efficace avec votre barbe. Qu'en pensez-vous, professeur? Que voulez-vous que j'en pense, puisque nous savons déjà qui est le coupable? Moi? Oh, quelle calamité! Enfin, réveillez-vous! Pietraka! Le gros lard évadé! Oui! Ah, ma chère Jeanne. Oh, professeur. Alors, est-ce que tout est prêt? Oui, ah. Je crois que nous n'attendions plus que vous. Non, s'il vous plaît, le rideau. Baissez-le un peu. Ah, Antoine, non! Les drapeaux doivent aller sur la scène. Il faut que nous fêtions dignement ce grand événement. Sur la scène. Si vous voulez mon avis, ce vol est tout à fait surprenant. Lorsque je suis arrivé ce matin, j'ai constaté que cette vitrine avait été brisée. Oh, j'espère que rien de précieux n'a été volé. Non, rien qui ait véritablement de la valeur. Ils m'ont emporté qu'une mine sous-marine que j'ai trouvée dans l'Adriatique il y a plusieurs années. Excusez-moi, mais je suis obligé de vous abandonner. Des affaires importantes et urgentes à régler. Oui, bien sûr, Max. Allez-y, je vous en Merci. Prie. Au revoir. Au revoir. Oui, de très belles photographies. Pardonnez ma curiosité, mais est-ce que le mari de Louise a... Comment dire, à libre accès à votre musée? Oui, Max est un naturaliste amateur, toujours prêt à me donner un coup de main lorsque j'en ai besoin. Mais dites-moi, que puis-je faire pour vous? Est-ce que ces photographies ont été prises sous l'eau? Ah, oui, le comte Sarti les a prises avec un appareil sous-marin spécial, une autre invention française. Des photographies sous-marines, cela voudrait dire que... Je vous demande pardon. Non, c'est vrai que ça me prend. Je vais vous dire maintenant. Au revoir et tous mes voeux de meilleure santé. Oh, merci, à bientôt. Au revoir. Le bureau du professeur Boiteau, Scipion Veta, l'appareil. Scipion, c'est Boiteau. Nous avons retrouvé cet homme Cercopithèque. Venez vite. J'arrive, professeur. Je suis là, dans une minute. Oh, je vais me jeter dans le vide. Il va vraiment le faire. Donnez-moi le porte-voix. Je vais essayer de le ramener à la raison. Oui, professeur. Eh bien,
Des traqueurs! C'est moi, le professeur Boato! Descendez! Ah non, j'en ai plus qu'assez de vos expériences! Ne croyez rien, on vous remettra directement en prison! Non, je n'ai plus aucune raison de vivre si ma Thérèse ne m'aime pas! Mais Thérèse vous aime, je vous le jure! Ayez confiance en moi! Non, je sais que c'est faux, elle se moque de moi parce que je suis obèse! Mais non! Oh, Thérèse, oh Dieu soit loué! Je vous en prie, dites-lui que vous êtes amoureuse de lui. Mais ce n'est pas vrai! Qu'importe! Avec ce mensonge, nous allons lui sauver la vie! Tu es un monstre! Allez, venez, allons-y! Oh, tu es là, Thérèse! Ma Thérèse, j'ai des fleurs pour toi! Mais c'est pas possible! Je ne veux pas lui donner tes espoirs. J'aime quelqu'un d'autre. Ah! Thérèse! Thérèse, vous ne pouvez pas partir! Thérèse. Bonjour. Scipio, vous êtes un séducteur immonde. Vous voulez faire un petit tour de ma puissante automobile? Hein? Je vais faire comme si j'étais Grèce. Rodolphe! Oh, Rodolphe, je t'aime! Oh, Thérèse, est-ce que c'est vrai? Si, je t'aime! Descends, je t'attends! Jure que tu oui, m'aimes. Je t'aime. Très bien, d'accord. Je vais descendre, ma Thérèse. C'est bien vrai que tu m'aimes. Oh, bravo, bravo. Oh, oh merci, je suis sûr. Bravo. Félicitations. Vous avez fait du bon travail, professeur. Vous êtes un génie. Je vous adore. Venez, allons-y. Vous pouvez applaudir le professeur Boiteau. Merci beaucoup. Diable. Excusez-moi, le professeur Vernetti est là? Non. Savez-vous où je peux le trouver? Non, pas du tout. Ah, il y a un téléphone quelque... Oui, là. Opératrice, est-ce que je peux avoir Louise Carly, s'il vous plaît? Veuillez me donner le numéro. Je ne connais pas. Ah, c'est encore vous. Vous devriez le savoir. Bon, d'accord, je l'apprendrai, mais en attendant, faites vite parce que c'est très urgent. C'est le numéro 18, retenez-le pour la prochaine fois. Oui, j'ai essayé, merci. Allô. Allô, est-ce que je pourrais parler à Louise Carly? Voilà. Elle n'est pas là? À l'Alhambra. Au Café Chantant, l'Alhambra? Oui. Ah, merci. Opératrice, Christian Carly, s'il vous plaît. Le numéro. Alors, je dis donc, je comprends que c'est... Mais ça ne peut pas attendre, ces jeunes filles sont en danger. Mais je vois pas la raison d'un tel empressement. L'assassin est déjà derrière les barreaux, pourquoi une police? Non, Pietraquois n'a rien à voir dans cette histoire. Le véritable assassin est encore en liberté. Non, non et non, je refuse de bouger d'ici. Vous êtes de ma façon, vous êtes un exactement. Il n'y a pas une idée à perdre. Non, mais laissez-moi, vas-y, alors, on dort. Ah, je préfère. J'ai trop de travail pour ma chance. Non, vous dormiez. Quoi? Moi, je dormais? Oui, vous dormiez. Moi? Je vous ai... Menteur! Non! Maillard! Avancez, dépêchons-nous comme ça. Yeah.
savez déjà, ce soir, nous sommes ici pour fêter le centenaire de notre grand-père, Hugo. Viens, grand-père. Cherchez précisément. Bonsoir. Bonsoir. Où alliez-vous? Vous nous quittiez déjà? Non, pas du tout. Ah, je croyais. Alors venez, tâchons de trouver une bonne table. Non, l'air est tellement vicié ici. Et il y a beaucoup de fumée. Si nous sortions plus tôt. Non, venez, venez, Calegari, j'insiste. Alors, Max, oui. Où avez-vous caché la bombe? La bombe? Oui. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, si, vous le savez. Je veux parler de la mine sous-marine du musée, commissaire. Oui. Je crois qu'il vaudrait mieux faire évacuer la salle. Je pense qu'il a dû la cacher quelque part. Oh, doux Jésus! Mesdames et messieurs, je vous demande toute votre attention. Vous êtes priés de quitter la salle immédiatement, immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a une bombe. Oh, une bombe? Oui. Oh. Sortez, madame. Non, non, sortez, madame. Sortez tout le monde. Allons, allons, pressons-nous, mon Dieu. Allons. Elle s'est plongée dans la méditation et la prière. Elle soutient le recueillement, aide à faire passer les chagrins d'amour. Sortez, madame, ne vous faites pas de soucis, nous maîtrisons la situation. Vous aussi, madame, je vous en supplie. Gardez votre calme. Doucement, les dames d'abord. C'est ça. Gardez votre calme, je vous en prie. Pas de panique. Vite, commissaire. Pas de panique. Pas de panique. Oh, mon Dieu. Oh, Sillon, vous êtes sûr que nous ne courons aucun danger en restant ici? Non, c'est une mine. Il faut qu'elle soit touchée ou bien amorcée avec une mèche pour exploser. Vite, mais votre arme. Ah, oh, mais... oui. Oui, là, non, là, à lui. Arrêtez-vous. Je vous demande pour la dernière fois. Où est cachée la bombe? Non, je n'ai rien caché du tout. Mais pourquoi ne sortons-nous pas, nous aussi? Arrêtez. Scipion, j'ai besoin d'explications. Je suis en droit de savoir ce qui se passe. Fichez-moi la paix avec ça. Ah, donc, si j'ai bien compris, vous soutenez que ce gentleman aurait caché une mine dans cet établissement? Oui. Pourquoi? Pour tuer sa femme et empocher l'héritage. Oh! Mais avec une bombe, il aurait causé un massacre. L'explosion d'une mine est capable de détruire toute la mine. C'est exactement ce qu'il voulait faire. Causer un massacre. Car si sa femme mourait en même temps que d'autres personnes, il espérait qu'on ne le suspecterait pas. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Vous croyez, commissaire, le révolver? Regardez. Jetez un petit coup d'œil là-dessus. Ces photographies ont été prises par feu le comte Sarti. Oh. Seigneur, qui est-ce? C'est le fameux gentleman qui est entre nous deux. Oh, Scipion, soyez clair pour une fois. Je trouve vos déductions incompréhensibles. Revolver, commissaire. Ce monsieur avait accès au cabinet particulier du professeur Vernetti. Et c'est là qu'il a emprunté le scaphandre qui permet à n'importe qui de rester sous l'eau pendant très longtemps. Puis, armé d'une lourde pioche, il s'enfonça dans le fleuve. Cet outil, il coula la barque sur laquelle sa femme et ses deux amis étaient en train de canoter. Mais ce jour-là, il n'était pas seul au fond du fleuve. Le comte Sarti y était aussi avec son appareil photographique sous-marin. Prenant l'agresseur sur le fait, il le photographia, mais ce geste lui coûta la vie. L'inconvénient pour vous, c'est que nous avons retrouvé cet appareil photographique.
Il était à l'intérieur de ce mystérieux coffre en métal blindé. Vous vous souvenez, commissaire? Monsieur Callegari, oui. Où avez-vous caché la bombe? Si je vous le dis, laisserez-vous partir? Mais comment osez-vous suggérer une chose pareille? Vous oubliez que vous parlez à un brillant officier au service de Sa Majesté. Comme vous voudrez, mais je vous préviens, c'est un engin très puissant qui va exploser. Il cherche à vous impressionner. Non, c'est vrai, commissaire. Prenez vite une décision. Non, non. Il s'agit d'un crime. Si j'acceptais, je serais démis de mes fonctions. Bon, je vous aurais prévenu. Et maintenant, ce n'est plus qu'une question de seconde. Vous êtes un être démoniaque, Allegri. Quel anniversaire, soldat! Professeur Boiteau! Mais qu'est-ce que c'est? Professeur, je viens de résoudre l'affaire. Nous avons trouvé le meurtrier Pietracca. L'homme obèse est innocent. Tenez, regardez cette photographie. C'est la preuve de l'identité de l'assassin. Regardez la photographie. C'est là. Vous voyez, c'est Max dans un scaphandre. Scipio! Bien sûr. Vous êtes un imbécile irrécupérable. Non. Je crois que vous vous trompez cette fois. Scipio s'est montré brillant et même sublime. C'est ce que vous pensez, hein? Aucun tribunal au monde ne sera prêt à accepter une telle photographie comme preuve. Oui, c'est possible, mais nous avons pris ce triste individu sur le fait au moment où il s'apprêtait à commettre un nouveau crime. Il semble que ce soit vous qui s'apprêtez surtout à tuer. Vous devriez remercier le ciel que je sois encore une fois arrivé à temps. Drôle de façon d'intervenir, professeur. Il s'en est fallu que nous soyons tous projetés en l'air. Oh, Scipion, cette mine faisait partie d'un stock de friture de la marine italienne. Tout le stock était défectueux, au point que le cuirassé Radeschi, qui avait heurté une dizaine de ces mines, s'en est sorti avec seulement quelques petites éraflures à la peinture. Mais comment avez-vous compris que Max était l'assassin? Dès le commencement, j'avais tout deviné. Max a tous les traits physiognomoniques du criminel impitoyable. Regardez l'épaisseur de ses sourcils broussailleux, le pavillon de ses oreilles en spatule, son crâne carré. Ce sont des signes évidents de débauche morale et de démence meurtrière. C'est le monstre, hein? Général La Marmora! La Marmora. Très, mais parlez doucement. Oh, Général La Marmora. Oh, professeur, je me faisais tellement de soucis à votre sujet. Comment allez-vous? Bon, la mine était tout ce qu'il y a de plus inoffensif. Mais cette maudite crème était particulièrement indigeste, a failli me tuer. La chantilly immortelle. Il y a encore un petit détail que je n'arrive pas à comprendre. Mais dites-moi, pourquoi avez-vous endossé cet habit militaire? Et pour sortir, ça tombe sous le sens. De cette manière, je pouvais filer Callegari, incognito. Oh, je croyais que c'était dans l'intention de faire plaisir à grand-père Hugo. C'est ça la raison pour laquelle vous vous trouviez là? Professeur, vous avez menti! Silence, vous n'êtes qu'un vilain ingrat. Bon, je crois que je vais aussi aller faire une retraite spirituelle chez les sœurs pour me permettre de reprendre confiance en moi. Très bien. Adieu. Au revoir. Allez-y, allez-y, et lavez-vous de tous vos péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue, Marie pleine de... Au revoir, ma chère enfant. Au revoir. Que Dieu te garde. Ah, tu es là? Oh, tu l'as bien réparée. Elle a l'air toute neuve. Elle est encore mieux qu'avant. Je peux conduire, j'ai le permis maintenant. Oui, tu as le permis, c'est bien. Bon, d'accord. Tiens, c'est ce que je fais. Allez, écoute. Bon, je veux bien te pardonner. Mais d'abord, tu dois me raconter exactement ce que tu as dit à Thérèse. D'abord, je lui ai dit